réalisé par des élèves de 4e et 3e du collège Grégoire de Tours de Marévaille. Ils ont été faits par eux. je vous souhaite un bon spectacle et voilà. La chasse acharnée. Il était une fois un chat qui s'acharnait à dénicher des pistaches. Il avait tenté d'en acheter au marché, mais il s'était fait chasser par un chinois avec un chalumeau. Il réussit à échapper au moustachu acharné qui avait sorti un hachoir. Content de ne pas être haché ou achevé, il alla se rafraîchir chez son maître Richard en buvant un panaché, suivi d'un schnapps. Toujours à la recherche de sa chaleureuse pistache, il décida de choisir un acolyte. Il marcha dans la rue de sa démarche chatoyante et s'arrêta devant un caniche encapuchonné. Son choix ayant été fait, les deux intouchables chasseurs de pistaches décidèrent de pourchasser un vieux maraîcher avachi qui poussait un chariot chargé de fruits. Le chien s'élança et le mordit à coups de mâchoire tandis que le chat s'approchait de la marchandise. Il y trouva du chou rave, de l'artichaut, du chocolat et un sachet de pistaches. Il s'empara du sachet et s'échappa, tandis que le maraîcher subissait son châtiment. Le voyage. Après le tournage, Marie partit en voyage. Dans l'avion, un vieux coucou tout juste sorti de dépannage, aussi vieux que le Moyen-Âge. Elle eut des sueurs froides. Enfin, l'atterrissage. Arrivée à l'hôtel, elle fonça au salon de massage. Une fois remise, elle alla à la plage ramasser des coquillages. Rentrée dans sa suite à l'étage, elle vit dans le miroir son visage. Quel carnage ! Et décida de le couvrir de maquillage. Avant de descendre prendre à l'étage, avec des copines de son âge. La buse, animal qui use de beaucoup de ruses pour parvenir à ses fins et réaliser ses desseins. Chasseuse en campagne, penseuse en montagne, la buse dans l'azur, muse du ciel, méduse tout animal plus petit qu'elle. Ses yeux perçants scrutent l'horizon pour déguster mulot, musaraigne et raton. En automne, lorsque le raisin est mûr, assis sur son poteau, elle affûte ses serres et hume les raisins destinés aux grands crus. Été comme hiver, l'oiseau voltigeur rend de grands services aux hommes, ingurgitant des quantités énormes de charognes et de rongeurs. Mini Hobby. Ich spiele Theater in Wolixen. Sie kommen sogar vom Holzen. Das ist doch schön, es gefällt mir gut und macht mir müde. Dann, ich spiele niemals im Jahr, natürlich im Frühjahr. Wir machen so kleine Sketch, das ist doch ein Fest. Und ein Mann erzählt Witz vom Onkel Fritz, oh, der sitzt. Und wenn wir fertig gespielt haben, also wir nicht schliessen davon, mit einem Glas Wein in der Hand. Jetzt ist aber Zeit, und noch gehen wir zu den Leuten. Für sie selber grüßen, sogar den Kopfhüll grüßen. Ich bin also gut im Witz erzählen. Besser als im Zählen, dass ich sogar Witz aufmache. Wenn ich Witz auf der Bühne erzähle, kann ich Schlager von den Leuten zählen. Das ist wie ein Traum, so wie auf einem Baum. Wenn Kirsche mich anlachen, das macht alle Leute da. Soll ich einer erzählen? Ja! Dann war ich halt. Es ist ein Mann, der sich den Architekt auf ihn da kennt. Dann geht er zum Nopper und sagt, hey, Nopper, hast du keinen Architekt? Dann ich will ein Haus bauen. Und er sagt, ja, Architekten, das gibt Zeit voll. Ja, ich will aber einen speziellen Architekt. Einer wie ein rundes Haus baut. Ja, warum will ich ein rundes Haus bauen? Ja, ich habe immer mehr gesagt, was je fünf falsch eh für mich. Dans ma tête, il y a de l'animation. Il n'y a pas de place pour la dramatisation. Je regarde toute chose avec sublimation. Aucune idée de malédiction, pas le temps pour les lamentations. Dans mes pensées, tout n'est que transformation. Mes projets sont en lente maturation.
Je me bats pour améliorer mes résultats, comme un lion. Sans limite ni formalisation, je recherche inlassablement des informations. Pour choisir ma future formation, je suis ouverte à toute suggestion. J'y arriverai, j'en suis sûre, car j'ai de l'ambition. Que quand je l'ai trouvé, ça sera l'acclamation. Je vais vous raconter l'histoire du bananier. Le bananier du centre de Barcelone commençait à être avarié. Nous voulions le remplacer par un rutabaga, un abricotier ou un baobab. J'ai donc demandé à un ouvrier s'il pouvait abattre et élaguer cet arbre fruitier. Ensuite, il s'en débarrasserait par bateau braquier. Ceci étant fait, l'ouvrier se mit à travailler. Mais le bananier avait un âge avancé et ne voulait pas se déraciner. Le bûcheron se mit à travailler. Il battait le tronc de toutes ses forces et le balançait comme un abasourdi. Cela devenait acrobatique, de droite à gauche, du haut vers le bas, devant, derrière. Nous mettions des barrières pour prévenir les piétons et il ne renonçait pas malgré la bagatelle de méthode dont il avait pu user. Mais le bananier semblait se débattre et lui envoyait ses bananes avariées qui s'abattaient sur sa tête. Ah. Épuisé, abattu, le bûcheron échoua et abandonna une nouvelle fois. Après debout, le bûcheron fut licencié et nous avons gardé le bananier. Au revoir! Plante longtemps oubliée par mes gardes. À nos fenêtres, de mai à octobre, on t'expose et on te regarde. Car tu étais une plante sauvage dont le fruit rappelait un bec de grue. À présent, plante cultivée et première de ta catégorie, que tu sois blanc, violet ou rouge de coloris, tu ornes nos maisons, monuments, églises et mairies. Avec allégresse, tu es admiré dans nos villes et villages, par les petits et les grands de tout âge. Jamais on ne s'en lasse du roi du balcon, notre géranium d'Alsace. Unsere Tracht. Mathieu ist mein Name. Ich will vom Elsässer Tracht erzählen. Denn meine Tracht, das ist eine Pracht. Ich bin drauf stolz, es ist meine Freude. Meine Großeltern haben es getreu. Meine Eltern treuen sie immer noch. Darum treue ich sie so gern. Es gibt verschiedene Kleider. Ich weiß es von meinen Eltern und erzähle es weiter. Ein rotes Gilet von Röwe und sie essen nicht gern Röwe. Ich treue ein paar lange Hosen, die sind schwarz, wie im Nachbar seine Katze. Sie haben ein Hemd, das ist weiß, und sie essen nicht gern Reis. Sie haben goldische Knöpfe überall. So kommen schon Tänzer vom Ball. Die Mädchen, ob arm oder reich, ob groß oder klein, ob dick oder fin, gehen am Sonntag mit einem langen Rock in die Kirche. Der Rock ist rot, wenn katholisch, grün, blau oder violett, wenn protestantisch. Sie ziehen einen Schlupfkopf auf ihre Kette. Die ist schwarz, kariert oder mit Lehmeln. Dazu haben sie ein Hemd an mit Spitzeln und versteckte Briefe hinterm Steckerle. Zum Schluss möchte ich noch einmal sagen, ich bin stolz, so eine Tracht zu tragen. Das wär's, liebe Leute, ich muss jetzt gehen, es ist höchste Zeit. J'ai acheté du Nutella, mais j'ai vite découvert que c'était une calamité. Mais comment résister à ce parfum chocolaté? Je comprends sa popularité. Il a des tas de qualités. Et une grande particularité. Il aide à oublier le cafard que donne la scolarité.
Mais revenons à la réalité. Je me tourne face à mon miroir. Aïe ! Dommage collatéral ! Je m'étais trop alimentée et dans un sens maltraitée. Je me suis beaucoup lamentée quand soudain je vis tout avec clarté. J'avais besoin de faire du sport. Je manquais de régularité. Mon miroir m'avait alertée. Cette pâte à tartiner m'avait fait oublier ma personnalité. Il était temps de m'arrêter. Le phoque, animal nautique et sympathique. Sous l'eau, dans son milieu aquatique, il sait se rendre acrobatique et adopte diverses tactiques. Malgré sa corpulence et son immense voracité, ses amis les cétacés admirent sa ténacité. Sous son air nonchalant et ses yeux de merlan, il cache un côté bagarreur qu'il use pour défendre ses valeurs et sortir vainqueur d'un combat de gladiateurs. La banquise est son terrain de chasse, il terrasse les importuns s'il tient à ne plus avoir faim et survivre jusqu'au lendemain. Mais il peut aussi être pacifique et s'offrir un repos soporifique. Habitant en Arctique ou en Antarctique, le phoque, animal ludique et unique. Dans la matinée, j'ai sorti une marmotte pour faire une potion magique. J'ai pris des frites, des herbes aromatiques, un peu de dynamite et quelques amanites. Pour un effet plus dramatique, j'ai fait cuire tous les ingrédients et quelques minutes plus tard, vite, il faut que je sorte mes frites car elles vont être trop cuites. Un peu de mâche, je verse ma potion et me voilà prêt à passer à l'action. Freue Fußball müssen wir zusammen. Ja, das ist ein schöner Spruch. Ich mache eine Pass und du fährst bloß. Ich schieße ein Goal, du hast Blumen. Ich bin abseits, du Gegner Fred. Ich renne wie wild, das Goal, das geht. Zuschauer Krille. Und Gegner Hille. Wir haben die Bälle und sie sind gefallen. Wir sind jetzt die Erste, ja, wir sind die Beste. Wir haben eine Mannschaft, wir haben eine Freundschaft. Freue Fußball müssen wir gesehen haben. Ja, das ist ein schöner Spruch. Alle wollen wir mal trainieren. Schwitzer rennen, dribble schießen, rennen halten, Löhe schießen. Mit dem Kopf nicht mit dem Ball. Halten Löhe, schießen Löhre, hilflich sind, für den Gegner zu begrüßen. Alle Mittwoch kommen wir zusammen. Als Vorkorant und in den Ball geschossen. Gehen schießen ist nicht so einfach, aber wir lieben, wir wollen dran bleiben. Wir sind immer froh, wenn wir gewinnen und traurig, wenn wir verlieren. So wie das machen wir sowieso, weil wir uns gut verstehen und freundlich sind. Es wird immer besser, aber die erste sind wir noch nicht. Darum müssen wir noch viel trainieren. Freue Fußball müssen wir gesehen haben. Ja, das ist ein schöner Spruch. Jede Samstag, jede Sonntag. Schwitze rennen, dribble schieße, rennen halten, löhe schieße. Mit dem Kopf nicht mit der Hand. Halte l'œil et chisse. Mourir quand j'ai des petites glaces, mais c'est les terres, donc mais c'est une piste. Mais on a mon chauffe. Yahoo, après le chauffe. Je t'ai démasqué, ma chère ennemie diabolique, après de longues années à te dissimuler. Je t'ai démasqué, ma chère ennemie diabolique, après de longues années à te dissimuler. Ton public naïf se sent magnifique et sans toxique de ton image idyllique, de ton sourire angélique, de ton regard hypnotique. Moi, je te trouve particulièrement pathétique. Moi, je te trouve égocentrique, colérique et maléfique. Égocentrique, colérique et maléfique. Magnifique, idyllique, angélique, hypnotique, pathétique, égocentrique, colérique, maléfique. C'est pour cela que je te quitte, ma chère amie photogénique.